Dans ce nouveau vidéogramme, notre grand-père motocycliste escalade la cime de la bonnette au guidon de sa fidèle mandarine. Bon visionnage! Voilà, là, ça enregistre. Je vais faire, voilà, comme ça. Assez haute parce que j'ai tendance à filmer un peu bas. Allez, on file les gants. C'est une vitesse, ça ira mieux. Bon, je pense qu'il a peut-être fini de changer sa route, vu le temps. Voilà, c'est parti, mon kéké. Alors, il y a longtemps que j'ai pas pris le micro, ni que j'ai fait de vidéo d'ailleurs. Parce que ben, manque de courage, manque de temps, manque, peut-être manque d'envie aussi. Voilà, donc ben, maintenant Mandarine a un peu plus de 7000 km. J'ai pas mal roulé donc, ce week-end, puisque j'ai fait une partie de la route des Grandes Alpes pour aller jusqu'à Barcelonnette au festival. Oui, on l'a refait à la AMF, l'Alpe Aventure Moto Festival, tout simplement. Voilà, il suffisait de remettre les lettres dans le bon ordre. Et donc, je suis descendu jeudi jusqu'à Thonon-les-Bains, depuis chez moi. Et puis vendredi, eh bien, j'ai fait la route des Grandes Alpes jusqu'à Barcelonnette, en enchaînant des cols mythiques, le Galibier, le Lautaret, l'Isran. J'ai loupé simplement l'Isoard parce que dans Briançon, je pense que j'ai pas trouvé ma route. Pourtant il y a des gros panneaux partout. Bon bah tant pis, je suis passé par ailleurs, mais je suis quand même bien arrivé à Barcelonnette. Et ben c'est génial, la route des Grandes Alpes, c'est génial parce que on enchaîne les cols les uns après les autres. On conduit pas pareil quand on parle. On va essayer de pas faire de bêtises. Je sais pas si on entend bien le son de la moto, ben je le saurai en écoutant les rushs. Alors voilà, ce genre de petit virage sympatoche que j'ai pas trop bien pris, mais bon. On essaiera de faire mieux pour le prochain. Eh ben, le prochain, il est là. C'est ça qui est sympa en montagne. Il y a la petite cascade. Là, je sais pas si vous l'apercevez. Si vous l'avez aperçu, parce que ce fut bref, mais beau. Je pense que, bon, si le micro est emplacé dans mon casque, si vous avez le même son que moi dans les oreilles, ça devrait être sympathique. Alors je disais, oui, Mandarine à 7000 km, donc j'ai bien roulé, j'ai fait des balades avec Beber Bobber, j'ai fait des balades avec des copains motards, j'ai fait des balades tout seul, j'ai bien roulé, à tel point que ben mes pneus vont être à changer, pourtant j'ai pas fait le foufou,
Mais bon, ben, tu vois, j'ai discuté cet après-midi avec un représentant de Metzeler là, sur le festival, et qui m'a dit bah, 6500 km avec un Metzeler Restec RR. Il dit c'est bien, c'est même pas mal. Donc ça dure un déjeuner de soleil, ces pneus-là. Ça tient le pavé, mais alors c'est vrai que c'est du semi-slick, donc bah, évidemment c'est tendre, et qui dit pneu tendre, bah, dit pneu qui s'use. Regardez un petit peu le paysage là, on va voir le soleil dans le pif, paf, pouf. Alors l'intéressant de la Speed Twin, c'est son couple. Vous voyez là, je suis quasiment tout le temps sur la même vitesse. Il n'y a que vraiment dans les petites épingles où je suis obligé de rétrograder, de passer un petit coup de deux. Là, comme je vois pas la sortie du virage, j'ai rétrogradé. J'ai bien fait parce qu'il se referme un peu. Hébert, tu vois, je pense à toi, si tu avais pu venir, si tes ennuis de santé ne t'avaient pas emmerdé, ben tu vois, on serait là, en train de se monter, de se descendre d'école. Non, y a rien de sexuel, non, c'est juste à moto, hein, les copains. Ne rêvez pas, je ne suis pas une fille facile. Donc avec Hébert, on roule, tout simplement. Weber qui a dû passer sa passerelle hier, donc maintenant qui est un moteur aguerri et qui va pouvoir aller chercher sa moto. C'est ça que c'est bon. Bah, quand il aura reçu son permis, parce que ils sont pas pressés les gens de chez permis. J'avais le soleil en pleine poire, je ne voyais pas la sortie de... Ah ben c'est bon, ouais. Pour une fois que c'est moi qui suis légèrement à gauche, et puis encore, j'étais encore sur ma voie. Pas nous faire chier, non? C'est vrai que c'est pénible. J'ai pourtant les lunettes de soleil, tout, mais... Mais ça ne suffit pas. Oh la vache. Mais tout à l'heure en descendant là, j'ai failli me prendre une motarde. Mais en pleine poire, pas c'est toujours pas sexuel. Enfin bon, c'est pas rigolo non plus parce que ça peut avoir des conséquences matériel et corporel, donc faites attention les copains motards, essayez de rester sur votre voie. Je sais que c'est pas facile en montagne. Ah, pareil, je voyais pas la sortie du virage, donc j'ai ralenti, et là ça doit être une épinglette. Je vais même prendre en première parce qu'elle est vraiment serrée, et voilà les copains qui arrivent en face, donc c'est pas le moment de sortir pour large. Et le paysage, regardez un peu cette vallée là, la vallée de la Tinée. Celui-là devrait passer le deuxième. Allez, sois fort. Oui, et alors voyez le couple. On s'est reparti. Pas besoin de tirer dedans comme une brute sanguinaire. Voilà. Attention, il y a du monde en face. Alors là pour l'instant, ah la vache, je n'y vois rien. Dis donc là, présentement je n'y vois rien. Ah, ça y est, on est passé à l'ombre.
c'est plus mieux. C'est super beau ce week-end. Bon, c'était annoncé, mais tant mieux, parce que se balader en montagne quand il pleut, c'est pas très jouissif. Mais là, c'est agréable comme tout, les routes sont sèches, à peu près belles, si le goudron est quand même pas mal. Voilà, on arrive dans un joli petit village, dont auquel je ne me souviens plus le nom. C'est très joli. J'ai ralenti parce que nous sommes dans un virage, dans un village, et dans les virages aussi pour ralentir si possible. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Là, quasiment en première, et on regarde bien au loin, et j'ai bien fait parce que voilà quelqu'un en face. Il y a tout le temps du monde, là, à la cime de la Bonnette, il y a un monde pas possible. Alors j'ai trouvé une place pour poser ma moto, mais alors c'était vraiment vraiment bondé. Alors c'est normal avec le festival, un bon week-end comme celui-ci d'arrière saison, il y a un monde pas possible. Se méfier, que j'étais pas tout à fait à droite, il l'était pas non plus. Bah, des fois ça fait des chocs à pic. Hein. Là on a une belle visibilité pendant la montée là. Il n'empêche que bon, il peut y avoir quelqu'un que je n'ai pas vu. Pas vu beaucoup de vélos, il y en a quelques-uns. Assez respectueux par rapport à certains endroits. Pourquoi je vais mon clignotant? Vous m'expliquez à peine? Ah, pour tourner à droite. Bon oui, mais tu ne changes pas de voie. Si, là j'ai fait l'accent belge. Regardez un peu, c'est minéral, hein. Il n'y a plus beaucoup de végétation à part de l'herbe. On est quand même assez haut, on va arriver au col de la Bonnette à 2802 mètres je crois. Ça va être marqué sur la pancarte, je vous le dirai. Alors elle a été classée comme soi-disant la plus haute route d'Europe. Mais je crois qu'elle est battue, j'ai plus le nom en tête, mais il y a une route en Europe qui est plus haute que celle-ci. Alors après ça dépend si on fait un concours de quéquette et ah non c'est moi qui suis le plus haut, non c'est toi, non c'est moi. Mais il semblerait que ce titre soit toujours fait. Parce que alors je me rappelle plus, ça doit être en Italie, peut-être bien. Vous regardez, vous cherchez. Ouais. Internet c'est fait pour ça. Hein. Les oreilles qui se débouchent. Alors, ça va, c'est pas un camping-car, c'est un petit van. Je devrais pouvoir le doubler assez facilement. S'il m'a vu, s'il m'a entendu. Il n'y a pas de voiture en face de quelqu'un. Mais où qui vont tous ces gens-là? Je le demande. Pas de toi, mon gars. Ouais, encore du monde en face. Ah, il va venir d'avoir une petite ligne droite juste après. On va essayer de faire parler la poudre. Allez.
Non, je peux pas. Ah non, je peux pas. J'aurais pu, hein. C'est parce que je suis un peu trouillard, mais enfin, c'est surtout prudent. Parce qu'on ne sait jamais. Ouais, j'aurais pu. Il y a des motos qui arrivent là. Toujours prudent. Un peu de patience, ça va viendre. Ah ben non, ne freine pas, ça roule tout seul. Allez, là, il n'y a personne. Bon, vous avez vu, hein? Petit coup d'axel. Ça roule tout seul. Ah, il y a de la voiture de sport. Sport à moitié, c'était qu'une Miata, la deuxième, mais bon, j'aime bien. En col de montagne comme ça doit être sympathique. Ah non, il est allé se garer, il y a des traces, mais c'est quelqu'un qui s'est garé, c'est pas quelqu'un qui est allé aux fraises. Regardez un peu ce paysage, je me rappelle plus comment s'appelle le petit hameau qu'on va traverser là. Je vais vous y dire tout de suite, enfin dans quelques instants, mesdames et messieurs, bonsoir. Ne montez pas, ne descendez pas du manège, nous allons continuer. Vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas eu mal au cœur, vous avez eu des sensations. Ne montez pas, ne descendez pas de voiture, le manège continue. Je le fais bien, hein. Oui, j'avais un copain forain. Sauf que lui, son manège, il repartait en arrière. C'était une chenille. Mais là, moi, je ne peux pas, je sais pas faire partir en arrière. C'est compliqué. Les lunettes qui me tombent sur le nez, c'est pas pratique. Alors, comment donc sait-il que ça s'appelle-t-elle? Bon, je ne sais plus, je double, je m'écarte. Non, mais ça, c'est pas je double, je m'écarte. Enfin bon, c'est pareil, je chercherai moi sur Internet. Et je vous dirai comment que ça s'appelle. J'ai pris des photos à l'aller. Là sur 10 km, ah, on va se méfier alors. Mais non, c'est l'hiver, bidouche. Il n'y en a pas l'été du verglas. Ah, quoique, il doit y avoir certains jours avec l'humidité. On est quand même à 2800. Hein. Alors, on a le soleil, mais c'est relativement frais. J'ai ma veste d'été, qui est une veste perforée qui laisse passer l'air. Ça va, c'est gérable, puisque on a le soleil en face qui donne, donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà. Tu n'es pas sur la route de la plage, mamie du 06, là. Alors là, il y a du gravax, donc on fait attention où c'est qu'on met ses roues. Un van, c'est normal, il se balade aussi comme moi. Mais bon, tu bouges toute la route, Maurice. Vous êtes pas trop bien garé, les gars, là. Quand même, à ce moment-là. M'a-t-il vu, m'a-t-il entendu? S'en est-il aperçu? Sinon, on est foutu. Feu, 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 salaud!
je vais y aller doucement parce qu'il y a des travaux, la route est sale. Déjà à l'aller, j'ai fait attention. C'est pas comme si c'était pas marqué, il y a des panales. Oui, parce que un panal a des panneaux. Ah bon, non? C'est la nouvelle orthographe. Je dis qu'est-ce que je veux d'abord. Copain motard. Voilà, ça j'en ai vu, mais tout l'après-midi. Et alors quand vous arrivez à Barcelonnette, c'est des files ininterrompues. Donc les mecs font même plus lever parce que passerait son temps à faire ça. Ah, des chèvres. Et des moutons. Donc on va tout de suite. Mais non, je passe quand même. T'as beau dire, mais je passe quand même. Je pense que c'est des moutons qui ont dû faire tomber des cailloux sur la route. Et il y a des gentils motards qui se sont arrêtés pour les ramasser. Bah ben oui, parce que tu roules sur un pavé comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Roger? Ah, il attend peut-être ses potes. Je fais signe aux moteurs qui descendent de ralentir un petit peu. Parce qu'ils vont être surpris en arrivant sur les Matens. Et les chèvres. On devrait plus être très loin du col. Enfin, de l'arrivée du sommet du col. Et donc je couperai la vidéo à ce moment-là puisque la montée dans l'autre sens, vous l'avez déjà vue l'année dernière. Là, je sens à l'ombre, là, on sent bien la fraîcheur. J'ai le soleil dans le nez, dans l'œil. Ah, ça n'est pas pratique. Parce qu'on ne voit pas la route. Voilà. Alors, on n'est pas encore arrivé. Encore 1 ou 2 km, je crois. La stèle, il me semblait que je ne l'avais pas trouvée tout de suite à la descente. Passe côté fossé puis qui ramène des graviers sur la route. C'est pas sympathique ça.
je suis presque arrivé, mais pas tant que ça, enfin si, parce que voilà, on arrive au stop là. Alors, je vais quand même remonter au sommet pour vous faire voir par où on arrive. Regardez, c'est vraiment minéral, c'est gris. Et là, je ne dis pas le trou qui est à droite. Là, faut pas louper un virage parce que tu remontes jamais. C'est un ballon. C'est pas ce que ça fout là. La dernière fois, j'avais pas pu la monter au rythme où je voulais parce qu'il y avait toujours un camping-car et j'étais avec la 125. Et le couple de la Speed Twin, j'ai même pas rétrogradé. Et nous voilà au col de la Bonnette. Mesdames et messieurs, bonsoir.